Je serai votre présentrice et mon avec ce soir. Je m'appelle Georgia et ce soir serai débattre sur l'œuvre du nouveau centre. Je passe la parole à... Merci, Olivia. À mon avis, je pense que le vieux bâtiment a l'air culturel et dont il doit être utilisé comme centre culturel. Un centre culturel serait génial pour encourager la santé de la communauté. Je suis d'accord que la bonne santé est très importante et le centre culturel offrirait la possibilité d'encourager la santé pour la danse et les automatiques. Ça sera plus relaxant et plus sociable pour la personne de tout l'âge. C'est très bien pour le tourisme et pour les emplois et l'économie de la ville. Pensez à un nouvel orchestre de musique classique. On peut encourager des compétitions avec un grand ballroom. Les choses sont fortes. Merci. Bonjour, mon nom est Léo Sengal. À mon avis, les bâtiments abandonnés devraient être transformés en un centre sportif et de loisirs, car il serait un excellent ajout à notre communauté et il pourrait être utilisé par tous les âgés. Il aidera aussi à mener à la bataille contre l'obésité où les centres culturels seraient amusants et excitants. Mais les centres sportifs sauveraient des vies et ils seraient amusants et excitants également. Il serait également allonger la durée de vie des personnes âgées et garder les jeunes formés et en santé. Il serait aussi stimuler notre économie et accroître nos numéros touristiques. Il serait également inciter les jeunes à devenir plus socialement et physiquement actifs. Bonjour, je m'appelle Linky. Je pense que le centre de jeunesse, c'est nécessaire parce qu'il y a trop de jeunes de quartiers dans la rue et le centre de jeunesse. Ça réduit l'ennui en plus à retrouver des amis. Et ça aide les distraits car ça donne les distractions et c'est moi pour le divertissement. Voici ça réduit le bruit dans la rue. Il en boisson des possibilités de sortir de la maison et de participer à de nouvelles distractions. Au lieu de chatter sur Facebook, à l'ordinateur, les joints devront être plus actifs. Par exemple, jouer au ping-pong, danser au disco, écouter de la musique et discuter des amis. Ça sera relaxant, plus sociable. Je passe la parole. Pardon me. Merci pour regarder. De vous revoir dans les maintenances. Demain, au revoir.